Drapeau haut. On est pas drapeau. Drapeau là. Repos. Lecture du message du ministère des Armées par monsieur le maire de Saint-Denis. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous remercie de votre présence. Je tiens à saluer la présence de madame la députée des ministères. Monsieur le conseiller général de la Haute, départemental, excusez-moi. Je vais vous lire le message du ministre des Armées à l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Il s'agit du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Après que la France ait perdu la bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma la flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire. Dans la capitale britannique, où, avec lui, la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur que les ondes de la radio anglaise, de la BBC, firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ondes qui se leva dans le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leurs forces, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de germes pour les forts drapeaux. Garde à vous. Dépôt de germes du premier français, toujours par le président du comité des comptes de l'ordre en Savoie et le président des comptes de l'ordre en Savoie.
de la 807e section du médaillé militaire de Voiron par M. le Président de la 807e section. Le mérite de Pont-de-Beauvoisin Savoie et Pont-de-Beauvoisin Isère par M. le maire et le lieutenant. Dépôt de réserve par Madame la députée de la 10e circonscription de l'Isère. Au mort. Est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
plus jamais de me rappeler de ça.